reprends du service. Du rap viril transforme les MC en vérine. Intouchable au micro, je cicatrise comme Wolverine. Maxon et K.E. patate de gorille. Si t'as encore rien vu, c'est normal. C'est que ton œil au beurre noir n'est pas guéri. Ouais, Escobar Maxon en direct de Blacking Story. La picouse, elle est à pur. Pour rappeler, c'est de l'obèse. De roues éclateur de pastèque. Lâche la télécommande, c'est pas un film, personne rembobine. T'as une dette, j'efface ton ardoise à l'hémoglobine. On n'a pas dit que les auditeurs, enfin les comme je le disais, les consommateurs du rap en général doivent, comme si c'était un exercice obligatoire, d'aller chercher quand est-ce que le rap est né, où est-ce qu'il est né, quels étaient les différents acteurs du game en France, tout ça, tu vois. Ah mais je vois ta vision des choses, mais regarde, pour moi, Internet c'est comme un océan. Oui. Un petit, il connaît pas. Il a 15 ans, il se met à écouter du rap, mon qui passe à la radio. Non, mais c'est vrai. Non, mais regarde, laisse-moi finir. Il se met à écouter du rap, qui passe à la radio, il croit que c'est ça le bon rap. Ouais. Après, comment tu veux qu'il sache quel est le bon rap? Déjà, les sonorités, elles sont différentes, c'est la l'ancienne, les classiques et compagnie. Comment un enseignant, il arrive, il tape sur YouTube, tu veux qu'il cherche quoi? Il va chercher peut-être Lino, etc. Hein, il va commencer à se renseigner. Mais quand même, tu veux qu'il ait les bases de lui, c'est bon, lui, ça pue la merde, sachant qu'il a même pas les bases, parce que pour lui, les bases, les vraies bases, c'est ce qui passe à la radio. S'il n'a pas de grand frère ou quelqu'un qui lui indique. Il y a des mecs, je t'assure, parce des genoux de 16 piges, 15 piges, 14 piges. Exactement. Tu vois, qui n'ont ni grand frère, ni personne pour leur montrer que, voilà, il y a 10 ans, il y avait tel rappeur qui. Il y en a combien des comme ça? Normalement, c'est pas au truc. C'est pas à toi d'aller au truc, c'est au truc de venir à toi. C'est les médias et les rappeurs, comme tu disais, qui doivent dire ça, c'est bon. Je suis lui, tout à fait d'accord quand tu dis qu'effectivement, il aurait fallu que les médias fassent leur boulot. Mais je suis désolé. Je suis désolé. Quand il s'agit d'autres musiques, les gens sont avisés. Tu vois? Je vais dans un mariage, il y a du dombolo d'il y a 15 ans, les mecs, les enfants étaient même pas nés. Ouais. Ils se trémoussent, ils connaissent les pas par cœur. C'est une question d'actualité, tu veux dire? C'est une question d'éducation, c'est-à-dire que les parents, peut-être qu'à la maison, ils font écouter ça. Mais pas forcément, c'est ça le pire. Tu vois ce que je veux dire? Et après aussi, faut pas oublier que le rap, c'est une musique qui est différente que les autres. C'est une différente des autres. C'est-à-dire que quoi? Un truc, je sais pas, par exemple, tu veux un petit qui veut écouter un son à l'ancienne, même si pour toi, c'est un classique mortel de fou, il va dire. Non, j'aime pas, ça pue la merde. Même rien qu'au niveau des sonorités. D'accord, mais ça, c'est les goûts, les couleurs, les sonorités. C'est ça d'accord. aussi, tu vois. C'est mais moi, je t'explique une chose qui est réelle. Ouais. C'est qu'il y a un manque de recherche. C'est qu'il y a un manque de recherche. Les gens se contentent de ce qu'on leur donne. De ce qu'on leur donne. Surtout quand ce qu'on leur donne, c'est de la merde pralinée. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, toi, tu vas au McDonald's, tu demandes un milkshake, le mec, il presse le truc. Mais il y a un McDonald's de la merde. Un McDonald's de la merde, donc c'est un steak qui pue l'anus. Mais faut être conscient que ton steak pue l'anus. Voilà. Parce qu'il faut avoir goûté. Mais je suis désolé. Quand il y a un rappeur, il vient, il dit bite sur la tête, bite sur la tête, bite sur la tête. Elle est où la punchline? Mais justement, regarde, quand tu dis ça rejoint, c'est ce que je dis tout à l'heure. Tu dis qu'on leur donne de la merde, on donne de la merde. Mais est-ce que c'est peut-être pas aussi. Il faut de la conscience, bien je sûr, suis non, désolé. Mais, non, mais ce que je veux bite dire, sur, la tête, bite sur la tête, bite sur la tête, bite sur la tête. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que quoi? Si aussi les autres rappeurs comme toi qui rappent d'une autre façon, peut-être que vous rappez sombre, hardcore, d'une autre façon plus subtile, plus ironique, vous vous mettez pas un certain niveau d'exposition pour être en mode. Lui il est là, mais moi je suis là, écoute mon truc, c'est meilleur. Comment mais, tu veux qu'il mette mais... Regarde, déjà, si vous êtes deux déjà, sur le déjà, terrain, moi vous êtes je suis pas là. Moi c'est mon avis perso. Après, j'aime pas juger les autres. J'aime bien que chacun se fasse son idée de la chose. Ouais. Tu comprends? J'aime pas. C'est pour ça que tu me verras jamais très peu donner de nom sur qui bien fait. Bien sûr. Parce que ça n'engage que moi. Ça n'engage que moi. Tu vois, j'ai pas la science infuse. Ma parole n'est pas parole d'évangile. Bien sûr. Tu vois? Voilà. Bon, ça, c'est mon avis personnel, tu vois. Après, aux gens, de se faire aussi une idée de la logique. Bite sur la tête, bite sur la tête. On est dans les tendances, bite sur la tête. Ouais, bien sûr. Voilà. C'est maintenant, tu dis, c'est au rappeur de se donner une certaine exposition. Mais moi, si ça tenait qu'à moi, mais je serais... comment est-ce qu'on appelle Pujadas, la France 2, j'irais bien faire sûr, ma promo je là-bas. Je, bon. Je serais assis à côté de lui. Et oui, voilà. En ce moment, ça shoot en Palestine. Bon, maintenant, on va parler d'autre chose. Escobar Maxon. Mais pourquoi exactement. Pas avec plaisir. Oui, tu vois, dire oui, les rappeurs, pourquoi ils se mettent pas à un niveau d'exposition? Ça ne tient pas qu'à nous. Non, oui, non, oui, bien sûr. Il y a des trucs. Vous êtes boycottés, etc. Il y a le business. On sait les tenants et les aboutissants. Une chose que tu oublies. Ouais.
c'est que il y a aussi le phénomène boycott qui existe. Exactement, bien sûr aussi. Voilà. Bâton dans les roues, etc. Bâton dans les roues. Porte, tu crois que c'est une porte, mais derrière il y a un mur. Ouais. Tu vois, comme dans les dessins animés. Hein. Quand tu fais semblant qu'elle est ouverte. Exactement. Voilà. Tu comprends pas. Ouais. Et il y a beaucoup d'enfants de prostitutes. J'aime pas traiter les mères, donc je vais retirer. Il y a beaucoup de trous du cul. Hein, que ce soit des rappeurs et également des médias qui mettent très sérieusement des bâtons dans les roues. Des bâtons dans les roues. Donc, t'étais un peu une question d'exposition, moi. Si je veux ça bien. Qu'à toi, bien sûr que tu serais en mode un autre choix par rapport à tout ce truc, cette sûr. Tendance, etc. Bien sûr. Qui pullule actuellement, quoi. Oui. Bien sûr. C'est ce que je veux dire. Donc tu peux, t'es pas forcément entre guillemets les rappeurs ne sont pas forcément les premiers à blâmer par rapport à cette tendance-là. C'est plutôt le fait que vous soyez. Non, hein si, mais les rappeurs, ils sont à blâmer. C'est eux qui sont en première ligne, c'est eux qui disent beat sur la tête. Non, je veux dire, les rappeurs autres qui font autre chose que cette tendance-là, ah, tu veux dire, voilà. Je pense que bah, qu'est-ce que tu veux qu'on fasse nous, on fait ce qu'on a à faire, mais si les médias, ils aiment la beat sur la tête, moi, je vais pas faire de la beat sur la tête, ça m'intéresse pas. C'est débile, ça n'a aucun sens. Mais, peut-être que le public aime ça aussi. Mais le public. Mais après, il prend ce qu'on lui donne aussi, tu me diras. Regarde, je suis pas homophobe, je m'en contrebranle. Chacun fait ce qu'il veut de ses fesses. Je vais prendre un exemple qui est concret et qui est réel. Quand il y a eu sur M6, comment on appelle ça ? Secret Story. Love Story. Il y a eu Love Story sur M6. Les gens ont été choqués de voir Stevie. On en voyait de temps en temps des gays, des homosexuels, tout ça, on en voyait à la télé, mais voilà, c'était furtif, et c'était pas de l'exposition, tu me comprends. Les gens ont été choqués, mais à force de le voir tous les jours, ils ont trouvé ça normal. Ouais, ça fait 10 ans maintenant, ça fait 10 ans, mais après, je peux te dire que ça a duré quoi, 1 an, à force, on a fini par trouver ça normal. Je suis pas homophobe, je dis pas c'est pas bien, etc. Mais je veux dire, il y avait une vision, tu vois. T'aimais un constat, quoi. Voilà. Donc, à force de vous balancer du chocolat, de la daube, ça pue, mais à un moment, ton nez, les sinus, ils sont brûlés. Ils sont brûlés, tu sens plus. Je te présente une rose, un sneakers, tu sais plus, tu sens plus, tes sens, ils sont baisés. Tu vois ce que je veux dire? Je viens, je te présente une assiette, je te dis c'est un steak, c'est de la grosse de mer. Chier avant-hier. Et surtout, si t'as pas goûté autre chose de mieux. Mais oui. T'es forcément obligé de. Ouais, c'est ce on ne sait plus ce qui est bon, mauvais, voilà. C'est la fin du monde. C'est pour ça qu'il faut avoir les bonnes bases, les bonnes. Voilà. Ouais, là, on rigole, mais je te dis la vérité, c'est du n'importe quoi. Dans l'idée, c'est ça. Ouais. Parce que oui. Oui. Aujourd'hui, il n'y a plus d'éducation rapologique. C'est ça le truc. Voilà. Ouais. On s'en fout, bite sur la tête. Je méprise les blancs qui se prennent pour des noirs, les noirs qui se prennent pour des arabes, les arabes qui se prennent pour des juifs, et les juifs qui se prennent pour Dieu. Ma communauté, c'est le hip-hop, tous à la même enseigne. Tu peux nous expliquer cette phrase, même si elle est explicite, mais pourquoi tu... Pourquoi ? Parce que moi, j'aime les gens qui sont entiers. Hein, y a des gens qui se prennent pour ce qu'ils ne sont pas. Et qui au final retournent leur veste. Moi j'aime les gens qui sont entiers, tu vois. Moi dans ma famille il y a des personnes de tous bords, des blancs, mais quand ils font les renois, ils sont à fond. C'est pas je fais le renois et après de l'autre côté je torpille. Tu vois ce que je veux dire? C'est vraiment la personne qui est dans l'élément à 100%. Et puis après ce que la suite je dis que je suis pas dans tout ce qui est communautaire. Ouais, ma partie c'est le hip-hop en gros, tu dis ça. Voilà, ouais. Moi j'en ai rien à foutre. Tu prends mon téléphone, là tu regardes dans le répertoire, il y a tout. Il y a tout. Et il n'y a pas de faux semblants entre toi, nous. Toi t'as pas cette vision un peu qui est un peu la vision un peu des États-Unis, c'est-à-dire de vivre dans sa communauté pour être plus fort, etc. Mais plus fort de où? En communauté, je te parle, en communauté. Ouais, est-ce que c'est le cas? Non, mais justement, je te demande, est-ce que tu as cette vision-là? Ça paye pas, j'ai pas cette vision-là. J'avais cette vision-là quand j'étais petit. Je traînais que avec des Renois. Que des Renois. Une équipe de salopards. Aujourd'hui, il y en a qui sont décédés, il y en a qui sont devenus des gros enculés, il y en a qui sont au placard. Enfin, voilà, chacun a tourné comme il devait tourner, tu vois. Mais je me suis rendu compte que quand j'étais dans certaines situations compliquées, dans la merde, pour pas dire, ceux qui m'ont tendu la main, c'était pas forcément
des Renois. En gros, c'est tu pas l'origine sociale de la, enfin, voilà, l'origine ethnique de la personne qui va faire la qualité de sa personne. Non. Donc, c'est-à-dire quoi, tu peux très bien être plus proche ou frère, de, c'est-à-dire de vie avec, par exemple, un blanc, un arabe, qu'un noir. Et plus jeune, tu voyais les trucs un peu autrement. Mon frère, par défaut, c'est le noir, et les autres, tu te mettais un peu en opposition, quoi. Ouais, c'était ça. Et qu'est-ce qui t'a fait évoluer ça, c'est sur les, c'est, qu'est-ce qui t'a fait évoluer sur cette position, c'est les situations où t'as vu que les situations de la vie, tout simplement. Tu vois, quand je sais pas, moi, tu te retrouves pour des embrouilles de tu te retrouves 5 mecs qui débarquent devant toi, tu sais même pas d'où ils sortent. On aurait dit le clip de Michael Jackson, Who's Bad? Bad, pardon. Tu vois? Quand les mecs ils sortent des murs juste avant de commencer à danser là. T'es là, tranquille, tu marches, il y a 5 mecs comme ça qui viennent devant toi. Qui te sautent dessus, tu te défends comme tu peux, tout ça, t'en attrapes un. Tu limites ta casse. Tu le mets bien. Mais. Et quand tu retournes au quartier et que ces bamboulas avec qui tu traînes, avec qui tu vis, avec qui tu manges, tu chies, etc., ils te disent ah bon? Ah ok, d'accord. Et ils sont là en train de continuer à faire ce qu'ils sont en train de faire. Tu te dis merde, j'ai loupé quelque chose là, qu'est-ce qui s'est passé là? Tu vois? Frère, et que quand c'est un autre mec qui n'a absolument rien à voir, hein, au niveau du faciès, et qui te dit bah écoute, il y a deux solutions, hein, ou bien tu laisses tomber, ou bien demain je prends ce qu'il faut et puis on va se venger. Tu vois? C'est le mec, il a pas réfléchi tout de suite, hein. Il m'a dit, voilà, on fait comme ça. Et ce mec-là, c'était même pas un négro. Tu vois? Et c'est l'une de ces anecdotes-là, enfin, l'une de ces... Tu as fait évoluer sur ta position. Voilà, exactement. Donc, le communautaire, j'en ai rien à foutre. Je veux plus côtoyer le négro dans l'ombre du Dracula, mais arrête de te la péter, ton Porsche Cayenne à un joint de culasse. Des fois, tu peux ramener du rêve, mais il y en a qui abusent, trop sur... sur la manette du rêve, tu vois, il rêve debout, les yeux ouverts, faut arrêter à un moment, tu vois. Mais d'un côté, c'est le public qui le demande aussi, ça. D'un côté. Non, pas forcément. Quand t'écoutes un son, t'as pas forcément envie de, qu'il te remette dans ta galère du quotidien, etc. T'as envie de te rêver, de t'évader. Parfois, bien sûr. Je vais pas citer les rappeurs, mais les rappeurs du moment qui te font des clips où il y a. C'est dans la cité, c'est insalubre, il y a plein de mecs avec des visages bizarres qui sont derrière, œil poché, l'autre, tu sens, non, lui là, il a... juste en regardant le visage, tu dis, lui là, bon, 8 ans de Fleury. Ouais, on sait que lui là, ouais. Voilà, il a du parcours. C'est des gens qui ont des problèmes, tu vois, qui sont derrière. Et alors, les gens, ils cliquent. Oui, mais en fait, ce qu'on veut dire par là, c'est que. Faut pas que ça, c'est bien aussi d'avoir... Non, je suis tout à fait d'accord. Il faut de tout. Après, sûrement, melting pot. Ouais, faut que ça soit équilibré. Mais faut pas s'attarder que sur ça. Par exemple, si toi, par exemple, je sais pas, t'as pas les moyens de t'acheter un Porsche, par exemple, je dis n'importe quoi, t'as pas les moyens de t'acheter un Porsche, etc., et tu fais un clip que des Porsche, que des Féfé, etc., etc., est-ce que tu vas dire que tu mens à ton public, que t'es pas authentique, ou tu vas leur dire, mais c'est du rap? Je suis Escobar Maxon, c'est-à-dire que c'est pas que je vends du rêve, mais je vais pas vous monter mon quotidien dans mon hall 6 bâtiment B. Mais j'ai n'importe quoi, mais tu vois. Je suis pas psychiatre, ni psychologue, mais pour sortir les gens de leur quotidien. Non, c'est pas une question de psychiatre. Ils viennent, ils rentrent chez eux, après une journée de boulot. Oh, c'est pas une question de. Ça va, ta gueule là. Oh, je vais me foutre un clip de machin. Ouais. La Porsche, putain, ça défonce. C'est pas une question d'Escobar, c'est pas une question d'Escobar, c'est toi comment tu conçois ton rap. Est-ce que tu peux mettre des choses dans ton rap? Faire et je vais le faire, mais je ne vais pas en abuser. Quand je dis ça, je parle des gens qui en abusent. Voilà, des gens qui je sais pas. Tu moi. Les crois multimillionnaire alors qu'en fait, mais non, voilà. C'est pas cohérent en fait. En même temps, tu sais, dans c'est de la musique, hein, c'est que de la musique. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. On n'est pas là pour exposer nos vies privées, tout ça, qui fait quoi, machin, mais. Moi, c'est comme je te l'explique. Ça n'engage que moi. Voilà. Moi, personnellement, ça me l'ébroute de voir des gens qui n'arrêtent pas tout le temps d'exposer des gamos, tout ça. Bon, au bout d'un moment, tu sais, il y a des par rapport au thème des morceaux, il y a une logique, mais après, quand ça devient trop récurrent pour rien, gratuit, ça m'intéresse pas. C'est comme les insultes quand c'est gratuit et que c'est
ça n'a pas d'intérêt, tu vois, ça m'intéresse pas. Voilà. Non, percer n'est pas égal à sniffer. Les gens, il y en a qui ont même pas percé qui sniffent. Si je me mets à écrire, je commence à dénoncer, les gens vont venir tirer dans ma porte. Il y a des phases complètes sur un couplet de 16 mesures de Rick Ross que je retrouve retranscrit à la française. Moi, c'est ça qui me choque. Des fois, on a beaucoup tendance à oublier qu'ici, on est en France, cousin. On est en France, bleu, blanc, rouge. Tu vois, faut pas avoir peur de le dire, de le revendiquer. On fait du rap franc. Tu parles du label 45 scientifiques, je suppose. Je parle de rien du tout. Il y a une histoire quand même. Il y a quelqu'un qui a fait le con, qui est parti prendre des sous sur mon compte, hein, auprès d'une distrib, et puis voilà, c'est tout. Il y a eu de la trahison, et tant mieux pour lui. Mais finalement, tu les as récupérés, les sous. Enfin, l'avance qu'ils ont pris, tu les as récupérés. Y'a plus de saison pour skier. Demande au MC qui s'enrume. Je me tape des barres, les pieds sur la table avec un vodka, Schweppes à grume. Tout le monde veut sauter pour du fric. La musique c'est Fear Factor, bordel de merde. Depuis quand Sarah Connor vient de tuer Terminator? Dirty Key, Dirty.